Bon, les filles, les bébés crèmes, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'une bébé crème. Alors donc, c'est un produit qui est très peu commercialisé en France, voire même quasiment pas. Hein, oui, c'est ça. C'est pas connu du tout. Alors donc, le principe d'une bébé crème, ce que vous allez dire, qu'est-ce que c'est? Donc ça veut dire blemish balm cream. Donc c'est vraiment, si je le traduis en français, c'est un baume contre les imperfections de la peau. Alors à l'origine, ça a été créé par les Allemands. Et en ce moment, c'est surtout utilisé en Corée, mais à l'origine, c'est les Allemands qui ont créé ça. C'est pour les personnes qui ont subi des opérations au niveau de leur visage, au niveau avec un laser, hein, des opérations réparatrices avec le laser. C'était en fait à la base pour en même temps camoufler justement les imperfections que ça crée et de soigner en même temps votre peau des imperfections, donc cicatrices, etc., boutons, etc. Donc c'est vraiment le but d'une bébé crème, c'est en fait c'est un genre de super fond de teint. Parce que en général il y a toujours un filtre solaire, et même des fois des filtres solaires assez élevés. Et ça fait vraiment une peau vraiment couverte. Bon, il y en a des couvrances légères et des couvrances plus foncées. Plus foncées. J'arrive à parler, hein. Ouf, un peu fatigué, le garçon. Des couvrances plus opaques. Et ça vous fait une peau vraiment toute lisse. Alors, les inconvénients, parce que vous dites, waouh, vous avez vu tout ce que ça fait. Ça fait soin de jour, parce que oui, ça fait soin de jour en même temps. Ça fait soin de jour, ça va guérir mes boutons. Je vais pas bronzer, enfin, je vais te protéger du soleil plutôt. Parce que, bon, le bronzage, c'est le mal, je vous rappelle. Bref, ça va couvrir ma peau, ça va avoir un résultat magnifique, peau super lisse, machin, tout ça. Et forcément, des inconvénients. Alors, les inconvénients principaux du DBB crème, c'est que déjà ce niveau des couleurs, en général, chaque bébé crème vous propose une seule couleur qui est hyper claire parce que là-bas, dans la Corée, le Japon, tout ça, machin, ils ont la culture de la peau très pâle qui pour eux est un signe voilà, de beauté d'avoir une peau très pâle. Alors, nous en France, bon, moi j'adore, hein. Moi j'ai la peau très très pâle donc pour moi les bébés crèmes c'est parfait, j'utilise quasiment que ça, j'utilise plus ça que le fond de teint. Mais en général, on a la peau plus foncée, on n'a pas le même type de peau. Donc, au niveau déjà de la couleur, il y a souvent un gros souci. De temps en temps, vous avez des gammes ou des grandes marques qui vous en proposent 2 à 3 couleurs. Donc, c'est pas énorme, hein. Donc, en général, en plus, c'est une couleur qui est très neutre. Alors, eux, ils ont la peau jaune, donc eux, ce qui est complètement aberrant parce qu'ils font des produits très neutres. Donc, ça leur fait la peau grise. Ça leur fait la peau grise. Donc, ils ont vraiment un gros problème de colorimétrie parce que c'est vrai qu'en général, quand ça vient, c'est vraiment une couleur ni jaune ni rose, mais vraiment presque gris. Donc, vraiment un problème de couleur. Et c'est des produits qui graissent rapidement. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, comme c'est des crèmes, c'est fait pour soigner, c'est vraiment, c'est quand même pas mal gras. Donc ça brille très vite si vous donc si ça vous gêne pas, moi comme moi hein, ça me gêne pas du tout. C'est bien si vous avez la peau sèche, à très sèche voire atopique, vous pouvez vous pencher vers les bébés crèmes. Par contre les peaux grasses, je pense que vous pouvez éviter quoi. Vous allez passer à côté parce que ça graisse très vite. Donc moi je vais vous faire un petit aperçu de ce que j'ai en bébé crème, ce qui est bien, ce qui est pas bien, les inconvénients, les avantages. Donc j'en ai... Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11 bébés crèmes. Et je vais encore en racheter parce que moi je kiffe trop. Hein. Alors, je fais pas de classement là, pas comme pour les fonds de teint. Je vais en prendre un au hasard et je vais vous dire bien, pas bien. Alors, je vais tout faire d'abord par la marque Misha. On va faire ça parce que Misha c'est une des plus grandes. C'est une des plus connues et celle qui se trouve le mieux. Moi, il faut savoir que mes bébés crèmes, je les achète toutes sur eBay.com. C'est l'endroit le plus facile pour trouver une bébé crème, c'est eBay.com. Alors, Misha, je vais commencer par la BB Cream Moisture SPF 20. Gna 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 gna.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur le Binyu? Alors déjà, c'est marqué en coréen, Shintok, je sais pas quoi. Donc là, je vais pas vous le lire. Hein. Je sais pas encore parler cette langue-là. Si... Ça se saurait. Alors, donc ça contient 7 vitamines essentielles, nanana, ingrédients naturels, multifonction. Donc en fait, ça va donc vous hydrater la peau, la protéger, la corriger. Et ça va donc bloquer les UV. Ok. Alors au niveau... Alors, les bébés crèmes ont un gros avantage, qu'en général ça sent hyper bon. Tout le temps, ça sent hyper bon. Alors je vais tester les couleurs parce que je m'en souviens plus. Alors celle-ci, par chance, elle est pas trop... Je sais pas si vous allez voir. Elle est là. Elle est pas trop trop grise. Elle est quand même... Ah, elle est quand même grise quand même. Hein. Donc ça sent bon, comme je disais. Et alors, essaye, je me souviens. Donc celle-ci, elle graisse. Ah ouais, quand même, il faut avoir la peau rose, hein, parce qu'elle est très rose. Et donc, évidemment, si vous avez les peaux super sèches, ça va être parfait pour vous. Parce qu'effectivement, ça hydrate bien. Mais le rendu est vraiment très gras. Je crois que c'est le rendu le plus gras que j'ai, c'est celle-ci. Dur à porter quand même, hein. Mais sinon, effectivement, dans mes souvenirs, effectivement, ça fait une super jolie peau une fois poudrée. Ma peau était plus belle après utilisation, effectivement, ça l'a soignée, hein, effectivement. La texture est assez, elle est épaisse, quoi. C'est une texture bébé crème, faut aimer, quoi. Donc ça s'applique pas hyper facilement, il faut quand même, faut le travailler la matière. Ça tient pas. Hein, forcément, vu que c'est très gras, ça tient pas. Mais je l'aime bien quand quand j'ai vraiment la peau très sèche en hiver. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle me fait vraiment du bien et on sent vraiment l'effet baume, quoi. Donc j'aime bien quand même. Ensuite, chez Micha, al contrario, vous avez la Watery de chez Micha toujours. Alors, donc ça contient une grande quantité d'hydratation, nanana, ça crée en fait une peau luisante, enfin pas luisante, mais ouais, glow, quoi. Une couvrance naturelle, ça même, ouais, ça vous hydrate, et les antioxydants, nanana, donc c'est confortable, nanana, nanana. Et ça vous fait un effet frais à l'application. Pourquoi pas? Alors, au niveau de la couleur. Elle est plus neutre que la Moisture. Alors, toutes ces deux-là n'ont qu'une couleur unique. Donc, c'est plus neutre parce que l'autre était vachement rose. Là, c'est vraiment neutre. Et alors, au niveau de la texture, elle est démente. Parce que quand vous la chauffez, ça fait genre comme une sorte de lait hydratant. Vous le voyez, ça perle en fait. Vous verrez rien, mais moi, je le vois. Donc, ça sent bon, hein, ça sent hyper bon, comme je disais. Et en fait, ouais, ça perd, ça fait comme un petit lait hydratant. Donc, c'est vraiment très hydratant comme bébé crème. Mais elle est hyper légère. Celle-ci, pour les peaux grasses, elle conviendra mieux. Beaucoup mieux que toutes les autres bébé crèmes d'ailleurs. Parce que, elle a une texture assez unique. En fait, elle est vraiment très légère. Alors, par contre, elle ne couvre rien. C'est vraiment une limite crème de jour, quoi. Après, ça fait son. Il y a un SPF 27. Hein, donc, il y a un filtre solaire quand même pas mal conséquent. Donc déjà c'est mais ça soigne la peau quand même. Franchement, ça fait une super belle peau pour l'été, enfin l'été, ouais. Quand on n'a pas envie d'être trop maquillé, génial. J'essaie de faire vite parce que ensuite vous avez la Shiny. Alors donc en gros ça contient des perles, la poudre de perles. Et donc ça vous donne de la brillance à votre peau, nanana, donc c'est hydratant, antioxydant comme d'habitude. Odeur, la même chose que les trois précédentes. Couleur, même genre de gamme. Vous voyez, c'est quand même assez clair. Ah. Texture, épaisse comme une bébé crème, un extraordinaire jusque-là. Et en fait, cette bébé crème... c'est une bébé crème qui scintille.
il y a quand même des micro-paillettes dedans. Donc, il faut aimer l'effet boule à facettes. Si votre effet, l'effet souhaité, c'est l'effet boule à facettes pour sortir, vous voulez vraiment, genre, voilà, qu'on voit que vous, pourquoi pas. Mais quand même, il faut savoir que c'est quand même très concentré en micro-paillettes. Hein. Donc, moi, je l'utilise jamais seul. Par contre, j'adore la diluer dans du fond de teint. Donc, surtout dans des fonds de teint qui rendent un effet pour moi trop mat. Parce que j'ai horreur de ça. Donc, je la mélange avec du fond de teint. Donc, ça en plus, ça rajoute un filtre solaire à mon fond de teint. Donc, en fait, pour moi, ça, la Shiny, c'est une BB crème de complément. Ensuite, chez Misha, toujours. Vous avez la Perfect Cover, c'est la plus connue. Et celle-ci, elle est en, je crois qu'il y a 4 couleurs. Donc, ce qui est énorme pour une BB crème, ce qui est énorme. Vous avez la Milky Beige, Light Beige, Natural Beige et Golden quelque chose. Donc c'est par numéro aussi, hein. Donc je crois que c'est, il y a, je sais plus le numéro de la première, 21 pour Light Beige, 23 pour la Natural Beige. Et je sais plus quoi pour la golden. Bref. Et donc moi j'ai la naturelle beige. Alors, la présentation du produit, c'est génial parce que c'est hyper hygiénique. C'est un flacon pompe. Donc top. Et avec un tube, c'est trop mimi. Alors, déjà, niveau de la texture, je sais pas si j'arrive à le faire sortir. Ouais. L'odeur. Ça sent trop bon. Ça sent le bébé. Ça sent trop trop bon. Et donc là, vous avez la couleur, c'est la Natural Beige. Et vous voyez comment c'est clair par rapport aux autres précédents? C'est hyper clair. C'est limite blanc. Alors je sais pas comment on rend la Milky Beige, hein, donc ça doit être blanc complètement, hein, ça doit être geisha quoi. La texture est hyper crémeuse. Vous voyez, c'est hyper crémeux. Donc c'est une texture qui luit facilement. Pour les peaux grasses, vous oubliez. Par contre, en fait, elle se chauffe et elle s'adapte quand même pas mal à la couleur de la peau. Donc ça sent hyper bon, comme je disais. Et moi, j'adore l'effet. Alors déjà, elle a un SPF 42, donc énorme. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Offer... Ouais, ça vous soigne la peau. Bah, c'est tout ce que j'ai expliqué, ce que faisait une BB crème, quoi. C'est une BB crème un peu pêle-mêle, quoi. Et alors, elle soigne votre peau. Moi j'adore parce que ça me fait une super belle peau. Après plusieurs jours d'essai, elle m'a fait une super belle peau celle-ci. Mais comme je disais, c'est pas ma préférée parce que gros souci au niveau de la couleur. La dorée, je crois qu'elle est super dorée et après le reste c'est 10 fois trop clair. Et la texture, la tenue ne tient, ça tient pas du tout. L'odeur, oui c'est bon tout ça. Ouais, bon, elle est pas mal. Faut que j'aille plus vite, faut que j'aille plus vite, faut que j'aille plus vite. Go go go, Speedy Gonzalez. Est-ce que j'ai fait le tour? Je vais parler de bébé crème que j'aime pas du tout. Tiens, pour changer. Alors, il y en a deux que je déteste cordialement. Ne les achetez jamais. Donc, je vais commencer par la Arésia. Ils ont deux couleurs, une claire, une naturelle. Le packaging est. Il est chou. Il est quand même hyper pop, quoi. Alors, moi, je sais plus quelle couleur j'ai, mais j'ai la plus foncée des deux. Alors, c'est une teinte comparée aux autres qui tend vers le jaune. Voilà. Vous verrez rien, je suppose. Surtout que là, j'ai toutes les bébés crèmes qui se mélangent. Très intelligent. Là, je m'en mets sur le bout du nez. Pas le faire. L'odeur est dégueu. J'aime pas l'odeur. Et alors, la texture. Alors, elle est hyper crémeuse comme les autres bébés crèmes, mais alors elle a un inconvénient. Elle marque la peau, mais atrocement. C'est-à-dire que on la voit à 10 km. Elle est elle est poisseuse. Ah, j'aime pas du tout. C'est-à-dire qu'elle va se mettre dans vos pores, dans vos plis, dans vos ridules. Et donc, elle va vous faire un résultat dégueulasse, mais au bout de 10 minutes, c'est un résultat catastrophique. En plus, elle est hyper dure à étaler. Moi je la déteste. Elle est vraiment, la texture est affreuse, l'odeur est dégueulasse, ça s'applique super mal. En plus, il n'y a même pas de SPF, elle soigne pas du tout la peau. Enfin, c'est une catastrophe. Elle coûte pas cher. Ah, bah ça, même les bébés crèmes en général, ça coûte rien. Mais une horreur, une horreur.
Ensuite, celle que j'aime pas non plus, l'eau Achille. Je sais pas si je prononce bien. Pure nature et intense bio. Donc pour celles qui veulent du bio, il y en a. Au niveau des bébés crèmes. Mais c'est attaché. Blemish Balm. Alors, donc c'est fait avec des herbes naturelles. Donc ça vous donne un effet éclaircissant. Donc ça aide la peau à se protéger. Ouais. Une texture ultra légère. Ouais, tu parles, mes couilles. Donc la couleur. Bah, comme les premières, quoi. C'est un neutre clair. Qui n'ira pas sur toutes les peaux. L'odeur est bonne. Et la texture est affreuse. C'est-à-dire que c'est le même problème que la Razia. En un peu plus fluide quand même. Donc elle s'étale beaucoup mieux. Hein. Mais ouais, elle s'étale quand même 10 fois mieux quand même que la Razia. Mais elle marque votre peau. Elle va dans les ridules. Elle va dans les pores. Elle couvre rien. Vraiment, elle couvre rien du tout. Donc ça s'applique bien, hein, mais le résultat est vraiment pas terrible, ça tient pas du tout. Il n'y a pas de SPF dedans, je trouve que ma peau n'a pas subi de changement en l'utilisant. Alors effectivement, elle coûte vraiment, je crois que c'est une des moins chères qui soit. Mais j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Faut savoir que les bébés crèmes en général ont des grosses contenances. Hein. Moi en général, toutes elles font 50 millilitres, sachant qu'un fond de teint en France en fait 30 millilitres pour moins cher. Vous avez plus de contenance pour moins cher que ce que vous avez en France. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ensuite, des bébés crèmes que j'aime. Faut que j'aille plus vite. Putain. C'est qui fait ça déjà? Alors, d'autres très très connus, c'est la marque Skin 79. C'est un nom à la con, hein, j'avoue. Donc ils ont sorti des bébés crèmes. Donc il y en a deux versions. C'est les Super Plus Beblish Balm Triple Function. Alors, vous avez une rose et une argentée. Donc, vous avez la bas de gamme et la haut de gamme. Ça, c'est la VIP. Celle-ci est au caviar. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Les couleurs sont très claires. Comme une bébé crème. La texture est épaisse comme une bébé crème. Ça graisse comme une bébé crème. Par contre, ça fait une super jolie peau. Est-ce qu'il y a un SPF? Les deux ont un SPF 25. Donc, il y en a. Les deux, en fait, ont une action blanchissante de la peau. Parce que, hein, comme je vous ai dit, c'est leur trip à eux. Moi, je préfère la VIP, forcément, parce qu'elle est moins grasse que celle-ci. Elle s'étale plus facilement. Elle tient mieux. Non, j'adore. Alors, le packaging est top aussi. Vous voyez? C'est des trucs que vous appuyez là et ça sort là. Je trouve les packagings trop bien faits. Ça sent. Ça sent la crème de bébé, ça sent trop bon. La crème de bébé. Pas celle qu'on tartine sur les fesses. Hein. Une autre crème de bébé. Bref. Qu'est-ce que je peux en dire? Elles sont top. Là, je commence à. Je parle beaucoup trop. Allez, on torche, on torche, on torche, on torche. Ensuite. Ça, c'est Shields qui fait ça. C'est la Super Magic BB Cream Concealing. Celle-ci est très couvrante. Elle est très bien. La couleur est par contre très claire. Vraiment quasiment blanche. La texture est top parce que assez fluide, bizarrement. Alors, elle graisse. Vous voyez, par contre, elle couvre. Hein. Ah, elle a une odeur de folie en plus. Ah. Elle couvre. Hein. Vraiment, pour une bébé crème, elle couvre. Hein. Parce que effectivement, elle fait, on peut faire anti-cerne avec cette bébé crème là. Donc elle couvre vachement. Mais elle s'étale mieux que la moyenne. Elle a un SPF 50. Énorme. Elle coûte 3 fois rien. Énorme. Texture de folie. Énorme. Tenue correcte. C'est super. Rapport qualité-prix génial. Enfin, bon, la présentation est moche, hein, mais on s'en fout. J'adore cette bébé crème. Ensuite, vous avez. Alors, celle-ci fait 60 millilitres. Elle n'est pas chère. Alors, le nom de la marque, Sidmoule Cosmétique. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que j'en avais jamais entendu parler. Et j'adore. J'adore, parce que déjà la couleur. Putain, enfin.
c'est ma couleur. C'est vraiment ma couleur. C'est-à-dire que c'est un beige avec quand même de la couleur dedans. C'est un beige gris et pas trop clair. Il est dément. La texture est très soyeuse. Elle fait un effet vraiment très soyeux à la peau. Elle couvre hyper bien la peau. Elle fait une peau de taré. Franchement, mais quand on moi, à chaque fois que je mets cette bébé crème là, on dit waouh, t'as super bonne mine. Mais je sais. Je beurre 72 heures par jour. Elle sent hyper bon. La texture, mais vraiment, la texture est top. Elle a un fini poudré en fait. Elle convient, elle graisse pas trop en plus. Elle s'applique super bien. Elle tient bien. Je kiffe. Et pour finir, ma préférée de toutes. De tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Alors, c'est Skin Food qui fait ça, c'est la marque Skin Food. Alors, ils en ont plein. Moi, j'en ai qu'une. C'est la Mushroom, donc c'est celle aux champignons. Ouais, je sais, ça peut paraître dégueulasse de se mettre des champignons. Donc, il y a un SPF 20 dedans, donc anti-aging. Donc, c'est anti-âge, ça protège du soleil, ça vous éclaircit la peau, ça vous enlève les machins, tout ça. Bref. Et. Déjà, le packaging, regardez comme c'est cute. Des petits champignons, puis là vous avez un petit angelot là en doré sérigraphié. Oh, c'est kiki! Et en plus, j'adore le capuchon. Il est genre en bois, enfin, je sais pas comment on dit en bois, en carton, enfin, je sais pas, c'est super chou. Les packagings sont super chou. J'adore cette marque Skin Food. L'odeur est à se damner. C'est ça qui sent le meilleur. De tous mes produits teints, c'est ce qui sent le mieux. Oh là là, je pourrais limite me parfumer avec ça. Après, les gens, quand ils vous font la bise, ils font t'as une peau qui sent bon. Ouais, je sais. Ça sent hyper frais, ça sent le sous-bois, ça sent. Ah, ça sent trop bon. La texture est top. La couleur est top. Le top pour moi, parce que c'est un neutre avec quand même un peu de couleur, pas trop clair. La texture est. Oh putain. Hyper soyeuse, hyper douce, un plaisir à utiliser. Elle couvre juste ce qu'il faut, ni trop peu, ni pas assez. L'odeur. Le mec qui s'excite avec une bébé crème. Ah ouais, oh, bébé crème. Ah. Donc c'est ma préférée de toutes. Moi je vous la recommande chaudement. Ils ont plusieurs couleurs. Ils ont clair, enfin, ils ont plusieurs couleurs, ils en ont deux, hein. Ils ont une claire et une naturelle, ça c'est la naturelle. Texture top, ça s'applique super bien. Tenue, elle tient bien. Elle graisse pas trop vite. Efficace, le prix est dérisoire. Achetez! Voilà les enfants. Donc 20 minutes pour déblatérer plein de conneries. C'est pas mal. J'avoue que j'ai fait fort. Donc je peux rien vous dire de plus. Les bébés crèmes, c'est top. Pour moi, c'est mieux que le fond de teint. Si vous avez une peau claire, par contre, et si vous avez la peau sèche. Bon, ça fait quand même pas mal de critères réducteurs quand même. Mais sinon, si vous avez ces critères-là, allez-y. Hein. Si vous avez des boutons, tout ça, machin, c'est top. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Bon, je kiffe bien. Je me suis les mains en même temps. Trop bien. Bon, après 23 minutes de grandes conneries, à bientôt.